This time I make it alone. Long Record, c'est un petit label qui est né avec la volonté d'aider les autres groupes. Moi-même étant musicien, artiste et dans l'ère toulonnaise, j'avais envie de faire participer un petit peu tous les copains à cette aventure collective. Can I hold my tears? Can I fall? L'idée de faire quelque chose en téléphérique est née avec l'envie de s'accrocher à un symbole du territoire et de développer un projet récurrent autour de ce symbole, de cette identité. Pourquoi ? Parce que le label, comme son nom l'indique, Toulong, déjà est rattaché à la ville de Toulon. Il y a cette envie de travailler le local, même si aujourd'hui on est aussi sur du global puisque tout s'exporte assez rapidement avec Internet. Mais quand même l'envie donc de rester dans un ancrage territorial. On avait déjà tourné 3 épisodes dans la saison 1 avec les 3 groupes qu'il y avait sur le label à l'époque, c'est-à-dire El Bocho, Boreal Wood et Twin Apple. Et là, on a voulu être plus ambitieux, donc avoir plus de groupes représentés. Donc il y a des groupes qui sont dans le label depuis un moment, comme Dandruff par exemple. Et puis il y a des groupes qui viennent d'intégrer le label sur la dernière année ou qui sont en train de l'intégrer. Donc on va avoir également Somehow, Bleu Canyon, At Down We Are Kings et Lunapache. Alors Lunapache, c'est le projet d'Anthony, c'est le projet qu'il a monté après Boreal Wood. C'est du rock kaléidoscopique entre Primal Scream, les Black Angels aussi pour les références américaines et Étienne Dao. Sur le français, puisque c'est un projet qui est chanté en français. Donc le premier album va sortir dans pas longtemps sur le label, on travaille aussi sur des clips avec lui. Dandruff, c'est un projet de pop-rock, donc on a sorti son 2e album sur le label il y a 2 ans maintenant. Et donc pour l'instant c'est un groupe qui est en sommeil, mais je désespère pas qu'il n'ait pas un projet de 3e album qui arrive bientôt. Ensuite, comme autre groupe qui a joué dans le téléphérique, on a Somehow. Donc Somehow, pareil, on a sorti son album l'année dernière, un album qui a beaucoup marché. Il a commencé à travailler un petit peu sur le 3e album et le peu que j'ai entendu, c'est encore mieux, donc ça va être magnifique. Ensuite, sur le téléphérique, on a eu également At Down We Are Kings. Ça, c'est le projet de Fabien Aubry. Là, on est sur plutôt de la folk assez intimiste. Et enfin, dernier groupe qui a participé à ce projet du téléphérique, c'est Bleu Canyon, des Toulonnais, un duo, aujourd'hui trio sur scène. Donc là, on lorgne un petit peu vers l'électro, c'est de la pop encore, mais avec beaucoup de sonorités électro, musique assez cinématographique. Sur le tournage, ce qui était compliqué, c'était le côté exigu dans les cabines, pour mettre en place tout le matériel et mettre en place aussi les groupes. Donc heureusement, le maximum qu'on était, c'était 2 personnes par groupe, plus 2-3 dans l'équipe technique. On n'était pas plus de 5, donc en tout, plus la personne qui accompagne le téléphérique. Sur la soirée du 19 mai, on a voulu marquer le coup en faisant une petite fête autour de cette 2e saison des lives dans le téléphérique, à l'occasion de laquelle on pourra voir les 5 vidéos en exclusivité. Elles seront projetées. Il y aura un petit buffet offert. Et ensuite, on passera en mode concert avec 2 groupes qui seront invités à jouer pour l'occasion, Lunapache et Bipit. Bipit qui n'a pas participé au projet directement, mais qui est un groupe conçu également avec le label. Il est composé de Gabi et de Nico, qui sont également membres de Twin Apple. Alors vous pourrez retrouver toutes ces vidéos à partir de fin mai sur la page YouTube de Toulong Records. Voilà.